Ne vous donnez pas l'impression que la vie devient plus facile. Oh que non, c'est vous qui devenez plus fort. Il faut le dire tous les jours et le penser, surtout que si nous avons le bonheur d'être debout, eh bien, il faut rendre grâce à Dieu, il faut rendre grâce aussi à Mohamed. En tout cas, c'est un jour particulier pour toute la communauté musulmane qui entame donc ce périple pour célébrer, n'est-ce pas, la grande fête du sacrifice dimanche prochain. Mais nous aussi, hein, c'est une semaine pleine que nous achevons ce matin en compagnie de nos fidèles téléspectateurs. Et téléspectatrice aux côtés de la princesse Patricia Lola Bonjour aussi. Mon prince. Bonjour Patricia. Merci beaucoup. Sous un vent d'optimisme, évidemment, on va le dire qu'on se plaît tellement votre compagnie, chers téléspectateurs, qu'on n'a pas vu le temps passer. Déjà vendredi. Ah oui. Vendredi, justement, 9 août 2019. Et on vous permettra d'entrer dans le week-end de la plus belle des façons avec les plus belles chroniques de la télévision. On retrouvera, par exemple, en guise de transition pour la deuxième partie, Patrick Christian Dobo qui nous reviendra donc pour le regard sur l'actu, nous permettra donc d'en savoir l'ancien fait d'actu. Majeure. Juste après lui, on accueillera avec beaucoup d'allégresse André Mirabeau-Mahop qui mettra donc un point d'honneur sur les points saillants de l'actualité sportive rendue en ce 9 août 2019. Ce n'est pas tout, les plus belles dates, rendez-vous également culturel. Vous en saurez davantage avec Monsieur Culture Géomatrix en deuxième partie toujours, mais on annonce à nos téléspectateurs que c'est une première partie tout aussi colorée. On aura par exemple cette belle chronique qui parle de l'allaitement maternel oui. proposé par Mireille Flan des Fofosso et Step by Step à 7h. On va retrouver avec beaucoup de joie notre très très cher Ghislain Pierre-Sonon en duplex des Yaoundé pour la première partie de la revue de presse. Et juste après? Eh bien, juste après, on aura de l'actualité, on aura quelques éphémérides. Et puis, il y a M. Haussin qui prend le relais. Allez, nous, on vous donne le ton et la température musicale avec Maître Gims qui est toujours là dans l'ombre et un joli featuring pour lancer le bus. Et vous adorez cette chanson, Patricia. J'adore cette chanson, justement, entre la Colombie, la République démocratique du Congo et la France. Et donc, vous l'avez dit, de Maître Gims et de Maluma Juan Carlos Arias. Le titre, c'est Hola, Señorita. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Señorita. Rumora que su nombre es María, María, María. ¿Quién diría que me enamoraría aquel día, aquel día?